Ça fait 6-8 mois qu'on bosse là-dessus, ça nous anime, donc allons-y, enfin, tentons l'aventure. On le sentait, enfin, ça s'est fait vraiment naturellement. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe. Je suis Régis Moscardini et une fois par semaine, j'interview un ou une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent. Que ce soit dans une optique réellement professionnelle, dans le cadre d'une reconversion par exemple, ou juste pour, dans un premier temps, se payer son matos, arrondir ses fins de mois par exemple. Alors, je lui pose des questions pour que vous puissiez prendre de son expérience, vous en inspirer et j'espère réaliser votre propre projet à votre tour. Pour cet épisode, mon invité est Maxence Cousin. Maxence est le cofondateur des Petits Aviateurs, une petite entreprise d'impression de photos sur bois. Ils sont deux à la barre, lui, Maxence, et son acolyte Arthur, pour imprimer directement sur du bois des créations originales d'artistes ou alors, et c'est là que ça peut devenir intéressant pour vous, vos photos. J'ai pu voir le rendu et c'est absolument magnifique. Et si j'ai voulu interviewer Maxence, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, son parcours de photographe est atypique, avec une entrée dans cet univers photographique par le drone, ce qui n'est pas tellement banal. Et ensuite, pour son état d'esprit d'entrepreneur, parce que c'est toujours motivant et inspirant d'entendre le discours de ceux qui passent à l'action et se donnent les moyens de réussir. Et enfin, la troisième raison, pour son aventure avec les Petits Aviateurs, vouloir donner un souffle nouveau dans le monde de l'impression photo avec de l'impression sur bois est hyper ambitieux et en même temps très simple. Vous découvrirez l'envers du décor et comment votre belle photo va passer d'un état virtuel dans votre ordinateur à un état physique et réel sur du bois. Vous pouvez retrouver directement dans la description du podcast les liens pour accéder au site internet, le compte Instagram des Petits Aviateurs. Allez-y, jetez un coup d'œil, ne serait-ce que par curiosité, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Avant de vous laisser avec Maxence, juste vous dire que nous en sommes à 96 commentaires et notes sur Apple Podcast, plus que 4 pour atteindre la barre symbolique des 100. Donc je compte sur vous pour prendre 2 minutes de votre temps, si vous êtes sur Apple évidemment, pour laisser une note 5 étoiles et un chouette commentaire. C'est le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître le podcast. Merci. Bonjour Maxence. Bonjour Régis. Est-ce que ça va? Bah écoute, très bien. Il fait beau. L'été arrive, donc tout va bien. Tu es dans quel coin de France? Là, je suis retourné dans le nord. Je suis chez mes parents, près de Lille, parce que je me marie civilement ce week-end. Donc, d'accord. On prépare un peu tout ça. Ok, excellent. Donc une bonne nouvelle, en plus de tout ce qu'on va raconter ici. Je ne m'attendais pas à cette réponse du Nord, parce qu'on va parler des Petits Aviateurs, qui, elle, se situe, l'entreprise se situe à Bordeaux. Donc du coup, c'est quasiment à l'opposé. Tu vis à Bordeaux, hein, je pense, la plupart du temps, finalement. Complètement. Ouais. Je suis originaire de Lille. On vit à Bordeaux actuellement. On a créé la société à Bordeaux. Et là, je suis vraiment rentré exceptionnellement, ponctuellement. Ok, parfait. Bien. Écoute, voilà, bah, la petite question traditionnelle, classique, normale, juste pour entrer dans le vif du sujet. Maxence, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Alors, donc oui, je m'appelle Maxence. J'ai 30 ans, bientôt 31 d'ailleurs, dans 8 jours. J'habite Bordeaux, je suis originaire de Lille, j'ai fait mes études à Marseille, je suis passé par Paris et donc là on est actuellement à Bordeaux et donc j'ai créé la société Les Petits Aviateurs. Est-ce que ça va comme présentation? C'est nickel. non, c'est très bien. Comment tu pourrais définir ton métier actuel? Il y a des fois, c'est très facile de décrire son métier. Je sais pas, je suis comptable, je suis prof par exemple. Toi, si on te demande, Maxence, quel est ton métier, tu réponds quoi? Entrepreneur. Ouais. Entrepreneur. Après, réussir à le développer, c'est un peu plus dur parce que ça veut dire tout et rien et plein de choses, mais ce serait le mot en tout cas. Ok, super. De toute façon, on va développer tout ça, effectivement. On va parler d'entrepreneuriat, on va parler de photographie aussi, hein, d'image, parce que tu viens de ce milieu-là, et voilà, on va en parler pas mal. Et aussi d'impression photo, parce que les Petits Aviateurs, vous êtes une entreprise, donc, comment vous décririez? On va en parler un peu plus tard, mais juste là pour planter le décor, les Petits Aviateurs, ce serait quoi comme genre d'entreprise? On fait de l'impression photo aujourd'hui. On essaye de réinventer en fait ce secteur-là de l'impression photo et principalement des supports. Notre entreprise, comme son nom ne l'indique pas, pour finir, on fait de l'impression, mais je réexpliquerai aussi pourquoi on s'appelle les Petits Aviateurs. Ça fait partie de l'histoire.
La question est prévue parce qu'effectivement, alors moi je sais, mais c'est vrai que c'est énigmatique. On a envie d'en savoir un peu plus là derrière. Et donc voilà, tu aborderas ce point-là un peu plus tard. Donc avant d'être entrepreneur, avant d'être dans l'impression photographie, tu as aussi un parcours de photographe. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît, de ce parcours-là? Comment toi tu es rentré dans la photographie? C'était quoi ton évolution? Alors en effet, moi personnellement, je me suis jamais dit que j'étais un photographe en tant que tel. Après, moi, j'ai actionné la photographie par rapport au drone. Il y a maintenant, allez, 5-6 ans, en fait, je me suis acheté un drone. Pourquoi je me suis acheté un drone? Parce que ça me faisait penser aux petites voitures téléguidées qu'on avait comme quand j'étais petit, et ça me refaisait penser à ça. C'était une voiture téléguidée pour grands Faisait un peu enfants. jouer, quoi. Exactement. Et donc je me suis acheté un drone, et en fait la photo est venue directement avec le drone, hein. C'est parti de là, et c'est vrai que moi je suis un peu rêveur, je suis un peu, enfin je trouve que l'homme a toujours aussi voulu voler, etc. Et l'idée en fait du drone, c'était vraiment de prendre de la photo comme les oiseaux peuvent voir. Et je prenais principalement de la photo vraiment à 90 degrés. Donc c'est vraiment la photo comme l'humain ne peut jamais en voir, parce que même dans un avion, on ne voit pas à 90 degrés. Alors peut-être dans un hélicoptère, en passant sa tête à travers la fenêtre, on peut voir à 90 degrés. Mais voilà, c'était l'idée d'avoir des nouveaux points de vue. Et je suis rentré vraiment dans la photo par rapport à ça. Donc c'est en ça où je me considère pas non plus photographe. J'ai jamais eu de gros appareils photo pour justement faire de la photo en tant que telle. J'ai un téléphone qui en fait de la très belle. J'ai eu un drone, et c'est aussi parti de là, enfin notre entreprise. Ok, donc une entrée dans la photographie assez originale finalement, mais qui effectivement, je comprends tout à fait le truc. J'imagine que finalement, tes premières photographies que tu as faites en drone, ça a été pour toi une espèce de révélation. Tu as vu le résultat, tu t'es dit waouh, là il y a un truc à faire, ou ça a été quelque chose qui était prévu en fait? Non, ça n'a pas été prévu en fait. C'était vraiment, c'est vraiment parti encore une fois, de la voiture téléguidée et de l'amusement, et puis surtout de la nouvelle technologie. J'aime bien aussi les nouvelles technologies, donc j'aime bien découvrir et puis essayer en fait, test and learn. Enfin voilà, essayer, voir si j'aime bien, si j'aime pas, j'arrête. Mais au moins j'ai testé, je peux en parler. C'est vraiment parti de là. Et ensuite la photo, c'est vraiment en fait des points de vue qu'on n'avait jamais vus, et c'est ça que j'aimais bien. C'était en fait de pouvoir marcher dans la rue, enfin dans la rue un peu moins, parce que bon, le drone c'est un peu plus difficile d'en faire dans la rue, mais dans des endroits, de marcher dans les endroits, et en fait de s'imaginer en train de faire décoller le drone, et de s'imaginer en fait la photo que ça pourrait faire. C'est ça que j'aime bien en fait dans le drone. Et puis surtout que c'est des petites batteries, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, donc faut pas se louper non plus quand on décolle. Donc c'est ça que j'aime bien aussi dans cette approche-là. C'est une approche originale, particulière, et qui finalement est vraiment très très loin de ce que les photographes vivent finalement. Et je dis pas que c'est mieux ou moins bien, c'est juste différent. La plupart des photographes dont je fais partie, en gros, la scène, tu l'as dans le viseur, tu tournes autour du sujet quand tu peux, mais souvent tu peux le faire. Tu vas changer d'angle de vue, tu vas changer ta lumière. Bref, il y a toute une création finalement, tu vois, autour de l'acte de photographique. Là, dans ton cas précis, c'est quelque chose que moi j'ai jamais expérimenté. C'est le côté, en fait, tu fais confiance à 100% à l'appareil, en l'occurrence le drone. Est-ce que tu peux, parce que moi j'ai jamais fait, ça m'intéresse, je suis curieux de ça, mais est-ce que tu pouvais justement, quelque part, tourner autour du sujet, tu vois, je veux dire, faire le tour du truc, augmenter en altitude, baisser, enfin, est-ce qu'il y a une espèce de possibilité assez, assez ouverte et assez grande de création photo avec le drone? Oui. La réponse est oui, je trouve, en tout cas pour ma part, parce que c'est vrai que, en fait, le drone, tout le monde peut réussir à le faire voler, parce que c'est vraiment un condensé de technologie. Et le drone, quand tu le démarres, en fait, il va voler sur place, il va vraiment rester sur place. On peut se mettre très près du sujet, comme on peut en partir très loin. C'est aussi chouette pour la vidéo. Il y a un aspect photo, mais il y a aussi un aspect vidéo. Qui peut être super chouette. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment, on peut prendre le sujet de près comme de loin. Là je suis chez mes parents justement, et en fait ce que j'ai aimé aussi avec le drone, c'est que je me rappelle, nous, alors ça fait quoi, une 20-25 ans qu'ils sont dans cette maison là et en fait on habite près d'un aérodrome, et il y a je sais pas, 15 ans, peut-être 20 ans,
je me rappellerai toujours, il y a une personne qui a sonné donc à la maison et en fait c'était une personne qui avait c'était pas un avion, c'était un je sais plus comment ça s'appelle, un petit avion Un tu sais ULM où peut-être, quelque un chose comme ULM, ça, voilà, non? Ouais. exactement, qui s'amusait en fait avec son ULM à passer au-dessus ben, voilà des lotissements avec son appareil photo. Il prenait des photos de haut de la maison et en fait il était venu chez nous, il avait sonné, je pense qu'il faisait du porte-à-porte en vendant ses photos. Et je me souviens que mes parents en avaient acheté 2, 3, 4 et donc on a cette photo justement de la maison il y a 15-20 ans prise d'une personne dans un ULM et moi 20 ans après, 25 ans après, je suis venu avec mon drone et puis bah voilà, je l'ai décollé, on a pris la même photo de manière bah, aussi assez hyper accessible et beaucoup plus facile. Et je trouve ça hyper chouette en fait, justement cette avancée aussi, et puis d'avoir les deux photos l'une à côté de l'autre, c'est sympa aussi. Ouais, et puis surtout, l'avantage du drone, c'est que j'exagère volontairement, mais tu peux quasiment le faire de ton canapé, donc c'est un confort quand même qui est déjà pas mal. C'est beaucoup moins risqué parce qu'un ULM, je veux dire, tu peux avoir des petites pannes problématiques quand même. Il faut un vrai, alors il faut aussi des permis, il faut quand même il y a des autorisations à avoir. Je veux dire, ça se fait pas C'est tout très seul le cadré. drone, mais c'est quand même très cadré, c'est vrai. Mais n'empêche que c'est quand même plus facilement accessible que faire ça en ULM, bien sûr, moins polluant, peut-être plus vertueux aussi. Quoi qu'il faut le construire, bon bref, c'est peut-être pas le débat, mais bref, c'est quand même plus simple d'y accéder. Et surtout, tu peux le faire quand tu veux, quoi. Lever de soleil, coucher de soleil, orage. Enfin, je veux dire, juste après un orage avec une lumière particulière. Enfin, toi, il y a sur les saisons aussi, tu peux vraiment varier les choses. C'est vraiment super intéressant. Tu photographies, toi, encore en drone comme ça, ou tu es vraiment beaucoup pris par ton activité dans l'impression photo? On est beaucoup pris quand même par notre activité. On fait un peu moins de photos de drones. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai que même sur notre site, dans notre collection à nous, j'y reviendrai plus tard, on a quand même beaucoup moins de photos de drones. Parce que, en fait, le drone, c'est sympa quand. Donc, déjà, il y a 5-6 ans, il y avait beaucoup moins. C'était beaucoup moins, il y avait beaucoup moins de lois de tout cela autour du drone. Aujourd'hui, je pense qu'on peut encore, en tant que particulier, faire décoller son drone. Il faut que ce soit un drone de moins de 750 grammes. Faut que ce soit, bon, il y a pas mal de paramètres, mais c'est vrai qu'en tant que professionnel, pour pouvoir faire décoller son drone, prendre une photo et après vendre la photo, eh ben en fait, il faut avoir son permis qui coûte quand même assez cher. Il faut faire la demande au département qui va demander aussi à la ville. Enfin, il y a énormément de parties prenantes qui fait que ben, aujourd'hui, c'est moins dans ce côté je peux, juste après une pluie, je peux le faire décoller et puis je vais prendre une photo. Et par contre, ben, il y a beaucoup plus de côté administratif. Après, c'est normal, hein, ça, c'est ce que j'explique là, c'est vraiment pour expliquer aux personnes qui, si demain ils veulent faire du drone professionnellement, ben, il y a quand même pas mal d'administratifs, il faut passer le permis, etc. Et le fait d'avoir tout cela fait que ben, on peut pas d'une minute à l'autre décoller son drone. Et donc on peut préparer son vol, sauf que ben, si le jour où on a eu l'autorisation, ben, il pleut, ben, on doit refaire une autorisation. Enfin, donc bon, il y a de plus en plus de quand même de barrières à l'entrée par rapport à cette photographie de drone, mais bon, ça reste, je trouve, un super équipement qui permet d'avoir, voilà, encore une fois, des nouveaux points de vue. Et voilà. Tu n'as pas été photographe. Bon bah, comment on se l'imagine, tu vois, qui va avec son réflexe ou son hybride. Maintenant, il y en a de plus en plus avec ses trois quatre objectifs, qui va partir comme ça, voilà, en shooting, hein, shooting photo, sortie photo. Malgré tout, voilà, tu as quand même cette expérience-là. Est-ce que tu, je sais pas, est-ce que tu penses que, en gros, le drone, c'est un truc à part, où les photographes pourraient ne faire que ça, ou c'est quelque part un peu comme si c'était un objectif de plus, tu vois, genre t'as l'objectif macro qui te permet de faire des gros plans, voilà, des rapports un sur un pour avoir des trucs très proches, t'as le 300 mm ou le téléobjectif pour avoir justement des trucs très particuliers sur la faune ou autre chose, hein, par exemple. Est-ce que finalement le drone avec cette petite caméra qui irait dessus serait un peu comme un nouvel objectif? Je le vois, ouais, moi je le vois comme ça. Je le vois comme ça dans un sens où en effet ça donne un nouveau point de vue. Donc enfin, c'est comme si on changeait son objectif C'est de ça. micro, macro, etc. ou son téléobjectif. Et d'un autre côté, avec justement toutes ces règles qui viennent en plus, ça commence à devenir un métier à part entière. Et quand on s'engouffre là-dedans, bon voilà, ça devient. En fait, moi je trouve que ça a une vraie valeur ajoutée aussi sur le côté vidéo. Je trouve que ça permet, voilà, d'apporter vraiment un côté évasion à une vidéo. Et je trouve que ça a vraiment un plus. Pour la photo, bah, c'est un plus en effet que c'est un nouvel objectif. Enfin, je le vois vraiment comme ça. C'est vraiment ça, quoi.
Un petit retour en arrière encore, un petit flashback si tu veux bien, Maxence. C'est quoi tes études, toi, à la base? Tu t'es lancé dans quoi? C'était quoi ton vrai, enfin, vrai, avec des gros guillemets, parce qu'il n'y a pas de vrai ou de faux métier, mais quel était ton métier quelque part, je sais pas, plus, tu vois, plus traditionnel au tout début? Ouais. En fait, moi, j'ai fait une école de commerce à Marseille. Donc, j'ai fait mes études à Marseille et en sortant d'école de commerce, alors j'avais eu deux projets entrepreneuriaux avant les petits aviateurs, pendant justement mes études et juste après mes études. Et à la suite de ces deux projets, j'ai intégré Michael Page, donc un cabinet de recrutement à Paris. Et donc, j'ai fait du recrutement pendant 5 ans et demi à peu près. J'en ai fait pendant 5 ans à Paris et après, c'est à ce moment-là, on a déménagé à Bordeaux. Et donc, il y avait aussi une entité à Bordeaux, donc je l'ai fait aussi. J'ai travaillé pendant 9 mois à peu près à Bordeaux chez Michael Page. Et en fait, c'était un cabinet de recrutement. Donc, c'était vraiment que de l'humain. Et c'est ça que j'ai adoré dans mon précédent métier. C'était voilà, l'idée de ce cabinet de recrutement, c'est vous avez une entreprise qui justement recrute. L'idée, c'est de lui proposer nos services en disant voilà, nous on a des candidats. Si vous voulez externaliser, vous ne trouvez pas la perle rare. Nous, on peut vous envoyer une shortlist de candidats assez rapidement qui vont convenir au poste. Et donc c'était sympa parce que il y avait ce côté commercial où on venait en cherchant quelque chose. Et donc on devait, je parlais des directeurs commerciaux, tout type de métier. Et d'un autre côté, il y avait aussi la phase de recrutement, où là, c'était la personne qui était en face de nous et qui venait pour quelque chose. Et c'était hyper intéressant en fait d'avoir ces deux aspects-là au niveau humain. Et j'ai adoré ce métier. Et Et voilà. alors, tu vois, la question qui me vient, c'est que, voilà, photographe, enfin, photographe, vidéaste, drone, même si ça n'a pas été ton activité vraiment à part entière, mais en tout cas, tu l'as fait. Donc, il y a ça, le côté impression photo maintenant, entrepreneuriat. On a un peu l'impression qu'il y a un côté sauvage chez toi, tu vois, où, en gros, tu es tout seul dans ton atelier, tu reçois les commandes, tu fais l'impression. Pour la photographie drone, bah, tu es tout seul aussi, tu vas aller checker le spot, tu vas y aller dessus, tu vois, manière un peu en mode loup solitaire. Et tu parles d'humain aussi. Donc voilà, c'est pas que c'est surprenant, mais j'aurais pas pensé que tu avais ce besoin de, tu vois, d'aller chercher l'humain dans tes relations. C'est quelque chose que tu as encore aujourd'hui dans ton métier là maintenant de, tu vois, oui, d'impression photo en fait. Ouais, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Pour le coup, enfin, l'humain, moi je me nourris vraiment de ça et c'est vraiment le métier que j'ai fait précédemment m'a vraiment permis de réussir à parler d'une certaine manière et d'être un peu caméléon dans un sens pour justement réussir à parler à tout type de personnes. Et ça, j'adore en fait toute cette psychologie humaine, etc. Et on la retrouve hein, chez les petits aviateurs, parce que c'est vrai que nous aujourd'hui, on travaille avec 50 photographes et illustrateurs différents. Donc il y a ce côté humain. Il y a aussi des particuliers qui viennent justement nous voir pour. Enfin, je reviendrai sur tout cela, hein, mais on retrouve quand même cette dimension humaine et c'est hyper important. Enfin, on en parle souvent avec mon associé de cette dimension humaine et donc service après-vente, etc. Donc ça, je la retrouve en effet, et enfin, c'est surtout hyper naturel de l'implanter au cœur de notre entreprise. Ouais, c'est pas une démarche marketing pour montrer, oh, voilà, de dire en mode communication sans y croire vraiment que tu fais attention à, voilà, à la relation. Pour toi, c'est une réalité, ça fait partie de toi de manière très naturelle finalement. Complètement. C'est Ouais. vraiment, c'est le plus important en fait. J'ai envie de dire, en fait, on se nourrit de ça pour finir l'entrepreneuriat. Alors oui, je suis avec mon associé Arthur. Aujourd'hui, on a une alternante. Oui, on est incubé. Moi, je vais revenir sur tout ça. Mais ce qui est hyper important, c'est que pour finir, on est quand même seul. Et en fait, on se nourrit de l'humain, des retours des gens. C'est grâce à eux aussi qu'on évolue. C'est grâce aux photographes qu'on a développé cette qualité d'impression sur le bois. Enfin, donc l'humain est au cœur de notre entreprise. Et c'est clair que pour nous, enfin, c'est hyper important. C'est hyper important et au-delà du côté marketing, etc., c'est non, c'est pour qu'on avance et on se nourrit de ça, on est obligé. Par rapport à ton parcours de professionnel, d'entrepreneur, qu'est-ce qui fait que, bon, au bout d'un certain temps, 5-6 ans d'après ce que j'ai compris, tu n'es plus allé chez Michael Page, donc ce cabinet de recrutement, et il s'est passé quoi en fait, et tu as fait quoi à ce moment-là?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, donc on faisait de la photo de drone avec mon associé, parce que moi j'avais un drone, mais mon associé aussi Arthur avait aussi un drone, et ça faisait allez, une petite année où on avait chacun notre drone, etc. Et lors d'un week-end, ça a commencé vraiment comme ça, lors d'un week-end à Biarritz, on a décollé nos drones, on est parti au-dessus de l'eau, on fait beaucoup de surf aussi tous les deux, et on est parti au-dessus de l'eau pour essayer de prendre les surfeurs justement dans l'eau. Et en fait, je me rappellerai toujours de cette photo. Enfin, c'est vrai qu'on l'a même pas sur notre site, mais il faudrait qu'on la mette parce que c'est la photo c'est la photo de départ quoi, où on voit en fait deux vagues. Enfin, elle est vraiment top cette photo, et ça faisait un moment en fait que nos amis, nos familles nous disaient: ah, mais elles sont chouettes vos photos de drone, c'est un nouveau point de vue, ce serait chouette de potentiellement les commercialiser, est-ce qu'on pourrait faire des agrandissements, etc. Et vraiment, c'est parti de ça. Enfin, les petits aviateurs, c'est vraiment parti de ce moment-là, quoi. Mais quel est tu vois, le point de bascule entre le côté, ben, je fais ça pour mon plaisir, c'est sympa Ouais. et ça me plaît, et puis et le moment où tu te dis, ben, en fait, non, je veux aller au-delà et je veux en faire mon job, il se passe quoi et ça prend combien de temps tout ça? En fait, c'est ça que j'aime bien dans ce projet-là, c'est que c'est pas une idée où on s'est dit: ok, go, on y va, on crée l'entreprise et on quitte notre job. C'est vraiment, on a pris cette idée-là, c'était en septembre que ça s'est passé. On s'est dit: bon, bah, pourquoi pas, on va essayer de vendre nos photos pour Noël. Là, il y a Noël qui arrive, on est septembre, on a 2 mois pour lancer, on va faire ça. Bon, on s'est bien vite rendu compte qu'en 2 mois, on n'arrivera jamais à développer un business et à vendre nos photos pour Noël. Mais c'est ça qui a mis le pied à l'étrier. Et donc, pendant de septembre, en fait, à juin de l'année d'après, avec mon Juste associé, quelle année, pardon, je te coupe, quelle année pour situer un petit peu? c'était septembre 2018, donc septembre 2018 à juin 2019, on a continué à travailler sur le projet tout en continuant nos jobs respectifs. Donc on se levait beaucoup plus tôt le matin pour travailler avant d'aller au travail. On travaillait, bon, faut pas trop le dire, mais il y avait des moments dans le travail, il y avait dans la journée où on prenait un quart d'heure pour répondre à un call ou autre, parce que voilà, on commençait à avancer. Et en fait, en mai-juin, donc de 2019, on s'est dit: bon, il y a quelque chose, ça fait 6 8 mois qu'on bosse là-dessus, ça nous anime, donc allons-y, enfin, tentons l'aventure. On le sentait, enfin, ça s'est fait vraiment naturellement. Et puis à un moment, ben voilà, il y a eu ce point de bascule où on s'est dit: bon, il se passe quelque chose, on le sent, donc allons-y, quoi. En gros, toujours la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête mon job maintenant et je me lance du coup à 100% du temps dans cette nouvelle activité, mais c'est le tout début, donc j'aurai pas de revenus. Et en même temps, j'aurai tout le temps disponible, donc ça peut peut-être démarrer plus vite. Ou alors, ben, c'est le contraire, quoi. Tu vois, je continue à travailler, mais du coup, j'ai mon boulot, donc ça me prend du temps. Et donc, tout ce que je peux faire pour ma nouvelle activité ou ce qui m'anime vraiment, c'est le matin, c'est le soir, c'est le week-end. Toi qui as vécu ça, justement, ce serait quoi tes conseils que tu pourrais donner à ceux qui sont un peu dans ce moment charnière-là? Alors, je pense vraiment, une première chose, c'est que tant qu'on est en poste et qu'on commence à développer son entreprise, justement en side project, ça pourra vraiment, je pense que le projet peut se développer. Mais je reste convaincu que quand on est vraiment à 100%, on a beaucoup plus de chances de vraiment bien le développer. Je pense qu'un projet entrepreneurial, bah, c'est pas pour rien qu'à 18 mois, il y a une boîte sur 10 qui reste. C'est parce que je pense qu'il faut dormir l'entreprise, manger l'entreprise et vraiment vivre pour ça. Parce qu'en fait, quand on s'y met vraiment à fond, on se rend compte que bah, il y a tout à faire. Donc il y a ce premier point bah, pour vraiment réussir à faire le saut. Et après, je trouve que nous en France, on a énormément de chance Ouais, je suis d'accord. parce Je vois ce que que tu veux dire, mais je suis d'accord. Ouais. Déjà, je suis d'accord. on a réussi, nous, Arthur et moi-même, à faire des ruptures conventionnelles dans nos jobs respectifs. Et en fait, on touche le chômage là jusque septembre prochain. Et on a cette vraie chance en France d'avoir ben justement le chômage. Je dis pas ça en disant il faut profiter de ça. Moi, je pars du principe que voilà, j'ai travaillé 6 ans, j'ai aussi
justement mis de l'argent de côté entre guillemets et je me paye finalement mon chômage que j'ai mis de côté pendant 6 ans et ça permet en fait de développer ce type de projet où ok c'est pas encore viable mais voilà on a 18 mois 24 mois pour le rendre viable et pour justement y aller donc je trouve que c'est vraiment une réelle réelle chance je me cache pas du tout et j'en rougis pas du tout en fait d'utiliser ça il y a peut-être des gens qui vont dire ah on utilise le système etc moi je le vois pas du tout comme ça parce que notre entreprise on crée une entreprise potentiellement demain on va créer des emplois et donc en fait enfin voilà c'est vraiment une chance qu'on a en France et je trouve que pour finir il n'y a pas véritablement de risque à se lancer grâce à ça Ouais, donc et voilà. c'est vrai que alors c'est pas du tout un message politique, hein, mais c'est un fait. En France, on dit souvent que on a toujours en exemple les pays anglo-saxons, particulièrement l'Amérique, enfin les USA, où c'est vraiment et c'est la réalité aussi. Hein, alors il y a d'autres défauts, bien sûr. Hein, il y a toujours le revers de la médaille. Tout n'est pas parfait, bien sûr, loin de là. Mais on a toujours en exemple ces pays anglo-saxons où l'entrepreneuriat est super, comment dire, c'est vraiment la culture de l'entreprise, hein, complètement. Et on s'imagine, tous les entrepreneurs en France aimeraient avoir cette facilité d'entreprendre qu'on peut avoir dans les pays anglo-saxons. Mais en fait, en France, on l'a aussi finalement, de manière peut-être, je sais pas, moins visible, c'est moins dans la culture, c'est moins dans les comportements, mais par contre, l'État met quand même des choses en place pour que les gens puissent entreprendre, ne serait-ce que, par exemple, hein, pouvoir se payer une formation via le CPF, par exemple, hein, donc on peut très bien toujours continuer à travailler, et le fait de travailler, d'être salarié, tu cotises, hein, des sous, et tous les ans, tu mets, je crois, 500 euros sur un compte, et ce compte-là, tu peux utiliser pour te former sur des domaines qui sont complètement à part par rapport à ton travail de base, sans même d'ailleurs devoir en informer ton employeur. Donc rien que ça déjà, ce que tu as dit toi aussi par rapport au chômage, par rapport aux aides qu'il y a, il y a même des aides régionales, des aides départementales, tu en parleras aussi, il y a des incubateurs, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, de structures, de fonds, hein, voilà, qui permettent de lancer sa boîte, son entreprise, dans des conditions quand même plutôt pas trop mal, quoi. Et franchement, pour ça, c'est quand même génial, hein, franchement. Complètement. Je voulais te demander aussi par rapport à... Par rapport au fait, tu vois, d'être à deux, est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est comment tu te positionnes par rapport au fait d'avoir un associé? Alors ça s'est fait naturellement parce que depuis le tout début, hein, tu es avec Arthur. Mais la question derrière ça, c'est est-ce que tu peux aussi, est-ce que tu conseillerais à un photographe qui voudrait se lancer dans son entreprise photo, quelle qu'elle soit, de faire ça à deux finalement, tu vois? Est-ce que ça complique? Est-ce que ça facilite? Est-ce que ça aide? Ça freine? C'est quoi pour toi ton avis par rapport à ça? Pour moi, c'est une chance. C'est une chance. Alors, c'est intéressant comme question parce que c'est vrai que moi, pour mon premier projet entrepreneurial, je l'avais développé avec justement un de mes potes, qui est de nouveau mon pote aujourd'hui. Donc, c'est chouette. Mais il y a eu un moment de tension parce qu'on n'avait pas. Bon, c'était avant toutes nos études. On était quand même plutôt jeunes. On avait chacun nos idées et on n'avait pas entre guillemets. La sagesse de. Et il y avait aussi de l'ego qui rentrait là-dedans, etc. Et on n'a pas réussi à développer notre projet. Et donc là, ça n'a pas été le top par rapport au fait d'être à deux. Même si aujourd'hui, on comprend pourquoi, même si aujourd'hui, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, et même si aujourd'hui, on redevient super pote. Et donc ça fait super plaisir. Et donc, ayant fait cette erreur-là, je m'étais dit, je ne recréerai plus avec un ami ou quelqu'un de ma famille. Aujourd'hui, mon associé, c'est un de mes meilleurs potes et mon témoin de mariage. Ah oui, Donc donc bon, finalement, tu n'as pas tenu ta voilà. parole, quoi. Non, non, parce qu'en fait, ça s'est fait hyper naturellement et aujourd'hui, on met encore une fois au cœur de notre entreprise l'humain et nous deux et notre amitié et en fait, ça se passe super bien. Et on a toujours fait attention à cela, d'autant plus moi-même parce que j'ai eu cette expérience justement d'avant. Mais donc pour répondre à ta question, je trouve qu'être à deux, c'est top parce qu'en fait ça permet d'avoir ces parties de ping-pong. On a une vision qui peut être différente, mais on a réussi cette fois-ci justement nous à mettre notre ego de côté pour justement, voilà. On se challenge, quand l'un a une idée, l'autre a une idée, on en parle. Celui qui a la meilleure idée et qui arrive en fait à convaincre l'autre, c'est que son idée est meilleure et donc on avance comme ça. Et l'ego est complètement ailleurs.
On est vraiment dans la bienveillance et ça, c'est super chouette. Et j'ai découvert, en plus d'un ami, une autre personne, parce que c'est vrai que travailler avec quelqu'un, c'est différent que d'aller boire une bière avec lui. Et on découvre une nouvelle personne. Et pour le coup, nous, ça se passe aujourd'hui super bien et on a réussi notre pari de ce côté-là. Donc, moi, je préconise quand même d'être. On a certaines personnes dans notre incubateur qui sont toutes seules et qui recherchent parfois des associés, qui vraiment ont envie justement d'avoir cette partie ping-pong. Et encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est pas un chemin tout beau, tout rose, c'est chouette, tout va bien. Et il faut réussir à avoir une épaule quand même pour se reposer. Parce que je pense que, alors, il y a les épaules de la famille qui est derrière le soir en rentrant, etc. Mais c'est pas pareil qu'une épaule professionnel entre guillemets quand j'entends ouais, vraiment professionnel qui est vraiment les mains dans le cambouis avec moi comme Arthur Lay après faut trouver la bonne personne. Faut vraiment ma deuxième expérience entrepreneuriale j'étais avec une personne où on a travaillé à distance pendant un temps. Je me suis rendu compte que travailler à distance avec quelqu'un en fait on connaissait pas du tout la personne même après 6 8 mois un an de travail à distance et quand on a commencé à travailler ensemble, ben, on s'est rendu compte de nos différences et que ça allait pas le faire, donc j'avais quitté ce projet-là. Donc c'est vraiment hyper important de trouver la bonne personne, d'avoir la même vision d'entreprise et en fait les mêmes aussi bases, pas sur le savoir, mais sur les convictions et ouais vraiment sur les piliers de bah de et les fondements de sa vie personnelle en fait enfin voilà. Ouais, super, super conseil. Alors c'est vrai que il faut pas aller quelque part se forcer à trouver quelqu'un. Je veux dire, en gros, ça viendra naturellement et la vie fait que tu le rencontreras. Peut-être que les gens qui nous écoutent l'ont peut-être déjà rencontré, voilà, mais pas aller se forcer à trouver quelqu'un. Mais ce que je retiens, c'est que le conseil est vraiment un peu en filigrane que tu as dit. Il y en a peut-être deux. Le dernier, je vais dire avec mes mots, c'est pas trouver quelqu'un qui a les mêmes compétences, sinon ça sert à rien, ça fait juste doublon, mais qui a les mêmes valeurs, quoi. Surtout trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs. Et en gros, les valeurs, c'est immuable, ça bouge pas. Et donc, si les valeurs sont communes, s'il y a des choses qui sont communes là-dedans, finalement, il y aura peut-être des moments de tension, bien sûr, mais cette base-là, elle sera toujours saine. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Puis là, peut-être deuxième chose que tu as dite, c'est par rapport à l'aide, au soutien. Et c'est vrai que, alors moi, je suis tout seul. Enfin, je suis tout seul. Je veux dire, oui, j'ai pas d'associé en tant que tel, mais j'ai des personnes que je peux employer en manière, comment dire, ponctuelle. Quand je dis j'ai une équipe derrière, c'est un peu, comment dire, un peu exagéré quelque part. Mais il y a des gens qui peuvent travailler pour moi de manière ponctuelle. En fait, je suis pas vraiment tout seul dans les faits. Mais par contre, je l'étais pendant un certain temps. Et c'est vrai que c'est là où tu te poses 12 000 questions et justement, t'as pas la réponse et t'as pas le soutien. Donc même si on n'a pas d'associé, je pense que c'est super important d'avoir sinon un réseau, au moins quand même quelques personnes. Et je parle pas de la famille, parce que la famille comprend pas toujours ce qu'on fait, je pense. C'est Mais voilà, au biaisé. moins avoir. Mais ne serait-ce que de faire partie d'un groupe Facebook ou de, tu vois, un petit groupe de, je sais pas, de où tu t'échanges des messages avec d'autres personnes qui sont un peu dans la même thématique que toi, sur Messenger, sur WhatsApp. C'est peut-être juste ça, mais ça peut suffire parfois à juste exposer ton petit problème du moment et à ce qu'on te répond. Et puis après, ça peut désamorcer un peu des situations un peu compliquées, quoi. Complètement, complètement. Et puis c'est vrai que la famille, les réponses seront toujours biaisées. Il y a de l'amour là-dedans, il y a de la bienveillance et trop pour l'entrepreneuriat justement. Et c'est en ça, en effet, qu'il faut trouver une, deux, trois personnes, que ce soit une personne qui a déjà créé ou pas. Et c'est en ça, par exemple, aussi que l'incubateur, enfin, ça, je préconise 10 fois, je pense qu'on reviendra dessus à un moment donné, mais d'y être, parce que nous, ça a quand même pas mal enfin changer beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il faut réussir à s'entourer pour pouvoir discuter et sortir la tête de enfin sortir la tête du guidon quoi. Les gens ils sont pas dans notre projet et donc le fait de leur expliquer où on en est et nos problématiques, ils vont avoir une vision peut-être complètement différente de la nôtre parce qu'ils sont pas du tout dans le projet et ça c'est hyper intéressant. Ouais, c'est de se créer ou d'intégrer un espèce d'espace de parole, en fait, un espace où tu vas pouvoir dire des choses, poser des questions, les gens vont poser des questions, et rien que ça, déjà, ça va te permettre de réfléchir différemment dans ton projet, et ça te permettra d'avancer, forcément. Puis, dernière question sur l'aspect entrepreneurial comme ça, puis après, on ira sur la partie vraiment impression photo, parce que ça m'intéresse beaucoup, justement, j'ai plein de questions à te poser là-dessus, Maxence. Tu as parlé à plusieurs reprises
d'incubateur. C'est quoi exactement, en gros, ouais, c'est quoi, comment on intègre ça, quel est l'intérêt, quel est l'avantage, l'inconvénient, dis un petit peu plus là-dessus, et voilà, ça pourrait peut-être intéresser des gens qui voudraient aussi intégrer ce genre de structure. Un incubateur, en fait, nous, alors je vais parler pour nous, hein, mais l'incubateur dans lequel on est, c'est l'incubateur en fait de la mairie de Bordeaux. Donc c'est très subventionné par la mairie de Bordeaux, et après ça intègre quand même une dizaine de parties prenantes, dont Darwin. Alors je sais pas si tu connais Bordeaux. En fait, Darwin, c'est un tiers-lieu, c'est une caserne qui a été réhabilitée, et aujourd'hui il y a un restaurant, il y a une école, il y a un Emmaüs, il y a un skatepark, et en fait il y a au-dessus un coworking et justement un incubateur. Donc nous, dans l'incubateur, c'est un endroit où en fait on a une personne qu'on appelle la startup manager, qui en fait connaît tout le monde, avec qui on peut faire des points quand on le souhaite, et ça permet en fait ça nous a permis à nous en tout cas de sortir de chez nous, parce que jusqu'au moment où on y est depuis février là de cette année, jusque là on travaillait un jour sur deux chez Arthur, chez moi, chez Arthur, chez moi, chez nous, quoi. Et en fait, ouais, ça permet de sortir de chez soi, ça permet déjà d'avoir des bureaux, rien que de se dire bon salut, je vais au bureau et puis je reviens le soir chez moi, c'est déjà super chouette en fait de changer d'air. Et en fait, on est entouré d'entrepreneurs. Ouais, donc même état d'esprit, même problématique aussi, même vision un peu de la vie, j'ai envie de dire presque. Alors, même vision de la vie, pas spécialement, mais on est tous dans le fait de vouloir. En plus, nous, alors dans notre incubateur, c'est tourné RSE, entreprise à impact, etc. Donc tout ce qui est social, éco-responsable, etc. Et en fait, ça c'est génial, parce que on se retrouve avec des entreprises qui sont en effet dans la même vision pour le coup que nous par rapport à cela, et avec des projets totalement différents. Et en fait, au quotidien, on discute avec des personnes, on a des sessions. Alors je sais pas si tu connais le co-développement, ça vient du Canada, et ça c'est, je trouve ça génial. L'idée, en gros, c'est on est 6 personnes, donc une personne de start-up différente, avec une personne qui gère la séance de co-développement. Et en fait, donc c'est une fois par mois, ça dure 3 heures. Et pendant 3 heures, en fait, on va se poser. Le début de la séance, ça va être de dire, chacun va dire sa problématique du moment ou qu'il veut proposer. On va élire la problématique du jour. Et en fait, donc il y aura une personne qui va être entre guillemets le client. Et donc les 5 autres qui vont se mettre à disposition du client pour résoudre ces problématiques pendant les 3 heures imparties. Et donc l'idée, c'est dans un premier temps d'avoir une séance de questions-réponses par rapport à cette problématique auprès de la personne. La troisième étape, ça va être justement de redéfinir la problématique, puisque bien souvent quand on a une problématique, en fait il y a quelque chose en dessous. La quatrième étape, ça va être de proposer en fait comment justement la personne peut avancer, etc. Et après, il y a une étape de décompression, parce que c'est vrai que c'est 3 heures hyper intenses. Ça allie énormément aussi psychologie. L'idée, c'est que ce soit dans la bienveillance. On est dans un endroit fermé où rien ne peut sortir de là. Donc il y a tout ce côté privé entre guillemets, et ça permet en fait à chacun de vraiment sortir les soucis qu'il a et de parler entre entrepreneurs. Et ça, enfin, moi je trouve que c'est majestueux, enfin vraiment j'adore. C'est d'une richesse incroyable, ça. C'est une espèce de mastermind en fait, où on va te challenger. Si c'est toi qu'on challenge, mais ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça va être une richesse incroyable forcément. Ce groupe là donc quand tu dis subventionné, c'est à dire qu'en fait la mairie met à disposition un local super bien, une personne qui va te conseiller, donc comment tu l'as dit là, la manager, la startup manager, voilà. qui chapeaute le tout, c'est ça, du matériel aussi j'imagine, l'accès à internet, enfin voilà. Comment on fait pour y rentrer, parce que les places sont limitées, j'imagine. Ça dépend des structures, hein, mais en gros chaque grande ville doit avoir ce genre de choses là des départements, des régions doivent aussi proposer ça, peut-être des structures privées aussi, pourquoi pas, hein. Ça peut pouvoir exister dans les grandes villes aussi. C'est une vraie chance. Moi franchement, alors j'y suis pas, pour avoir vécu aussi des mastermind ou des groupes de travail sur plusieurs jours, hein, comme ça, je sais l'impact que peut avoir le fait de confronter ses problématiques et son business à d'autres personnes qui ont aussi un business. Je sais l'impact que ça a, et ça fait vraiment grandir. Et en plus, toi, si tu y es tous les jours, ça va être absolument hyper hyper puissant. Donc ça va être une vraie chance de croissance. Comment on fait pour y accéder, pour y rentrer, comment ça se passe?
Alors nous, en effet, à Bordeaux, il y a une dizaine, hein, il y en a une dizaine différentes. C'est vrai que nous, on l'a sélectionné. Comment ça s'est passé? En fait, on a envoyé notre dossier. La startup manager nous a rappelé. J'ai eu un premier entretien d'une heure à peu près avec elle pour passer en fait en phase où on a dû remplir un business plan, le renvoyer, et ensuite on avait un oral entre guillemets hein, où on devait pitcher. Et il y avait après une séance de questions-réponses avec la dizaine de parties prenantes justement de l'incubateur. Et ça Ah s'est donc passé comme ça. un vrai gros oral quand même, hein, avec pas mal de personnes en face, il faut préparer son truc, ça s'improvise pas. Ouais, exactement. Mais c'est ça qui est génial parce que ça permet aussi de se poser, de mettre à l'écrit d'une part notre entreprise, notre business plan, etc. Et ça permet de faire un point justement sur sa structure. Après, je tiens à le dire quand même, hein, c'est pas gratuit non plus. Nous, alors en toute transparence, pour justement là aujourd'hui, on est donc à 3, on paye 350 euros par mois, tout inclus. Donc on a les bureaux, on a en effet accès à Internet, on est vraiment dans les locaux, et en fait on a aussi et surtout le suivi de cette startup manager, les séances de co-développement. Le midi on peut avoir ce qu'on appelle les crunchs. Donc c'est en mangeant, en fait il y a d'autres entreprises qui viennent extérieures expliquer leur business, et puis ça a des côtés, soit c'est un côté finance, soit ça va être du SAV, soit ça va être sur vraiment des questions hyper intéressantes. Et on a la chance d'avoir aussi un réseau d'experts qui gravitent autour de notre incubateur. Et par exemple, côté finance, aujourd'hui on a une personne qui nous suit. C'est gratuit pour nous, c'est inclus dans ce qu'on paye en fait au mois, et on a un expert vraiment pour chacune de nos problématiques qui peut venir. Alors bien sûr c'est pas illimité hein, parce que voilà, mais c'est en ça où en fait l'incubateur a changé, et ça nous, enfin ça n'a pas changé notre entreprise, mais ça nous a permis de vraiment de gravir une vraie grosse marche. Et on n'en serait pas du tout là aujourd'hui si on n'y était pas, quoi. Et c'est vrai Donc, que je préconise vraiment d'y aller. au moins de tenter, parce que c'est vrai que tu l'as dit, hein, le fait comment dire, de tenter sa chance dans un incubateur et de candidater, ça oblige à se poser et à présenter son truc de manière concise, précise, efficace. Et donc, de prendre ce recul-là, de formaliser les choses, de que ce soit plus un projet un peu nébuleux dans l'esprit, mais que ça prenne vraiment forme. Et peut-être que, et si on n'est pas retenu, finalement, bon, c'est dommage, mais il y aurait au moins ce gros avantage-là de structurer son projet et de le faire avancer, voilà. Même si on n'est pas pris. Et tu penses que c'est aussi accessible à des entrepreneurs, photographes qui veulent. Est-ce qu'il faut que ce soit novateur en fait? Tu vois, on pense souvent au côté start-up du truc, avec un esprit novateur, limite un peu révolutionnaire, tu vois, qui veut un peu chambouler l'industrie. Mais est-ce que ça peut aussi être accessible à à des photographes qui veulent simplement, comment dire, faire un boulot qui leur plaît, de shooting photo, du mariage, je sais pas moi, du coaching photo, pourquoi pas, tu vois? Est-ce que c'est aussi accessible à des choses plus traditionnelles comme celle-ci? Ouais, je pense que, enfin, on n'a pas. C'est vrai que beaucoup de personnes se mettent des barrières justement par rapport à peut-être aux incubateurs où il faut un projet, enfin, nouveau, qui apporte quelque chose de vraiment nouveau, etc. Mais pas spécialement, en fait. Il y a vraiment tout type d'entrepreneurs dans l'incubateur. Il y a aussi des personnes qui sont seules. Il n'y a pas que des entreprises qui sont où il y a 2, 3, 4, 5 personnes. Donc non, moi je pense que c'est accessible à tous, et ça va vraiment dépendre aussi de chaque incubateur. Chaque Aussi. incubateur a sa spécificité, a sa manière de recruter entre guillemets les entreprises. Et nous, il y a plein d'incubateurs à Bordeaux où on n'a pas été vers eux parce que ça nous intéressait pas, et dans tous les cas, on n'aurait pas été pris de toute façon. Donc parce que c'est beaucoup plus dans la tech, parce que c'est plus sur des entreprises pour un accélérateur, donc des entreprises qui font déjà beaucoup de chiffres, qui sont déjà à 2 années, etc. Donc il y a énormément de différences dans le recrutement de chacun. Donc je pense que oui, chacun peut trouver un incubateur et chaussures à son pied. Ok, ça marche. Alors, on va à nouveau revenir en arrière.
C'est sur ce fameux samedi, ou en tout cas ce week-end de session de shooting photo en drone. Il y a une photographie qui marque. Tu sens que ça prend. Voilà, il y a des gens qui veulent. En gros, t'as acheté vos photographies à toi et Arthur. Donc, j'imagine que vous commencez à le faire. Et quand on voilà, en gros, la question elle est un peu orientée parce que j'ai lu votre à propos hein, sur le site des petits aviateurs. Mais qu'est-ce qui vous manque à ce moment-là? Vous vous rendez compte de quoi quand vous commencez à faire vos premières impressions photo pour pouvoir les vendre? Vous vous rendez compte de quoi? Qu'est-ce qui va pas quoi? En fait, nous, alors ça a été très insufflé par Arthur, mon associé, et ça, moi, ça me va très bien, et etc. Mais le côté en fait entreprise à impact, on voulait pas faire créer une entreprise qui soit de vendre des photos sur un support comme tous les autres, etc. On voulait vraiment. Nous, on avait ce côté et ces convictions d'un point de vue durable et renouvelable qui étaient importantes pour nous. Et en fait, quand on a cherché un support d'impression pour l'agrandissement de nos photos, on s'est rendu compte qu'on était arrivé sur un secteur qui était, par rapport justement au support, très archaïque. Et en fait que 95% des photos étaient imprimées sur du papier photo, du plexiglas ou de l'aluminium dibon. Donc on est vraiment arrivé sur ce marché-là et que ces trois supports en fait étaient là depuis 50 ans. Il n'y avait pas eu spécialement d'innovation. Alors après il y a des innovations comme la toile, comme toutes ces choses-là, mais vraiment à 95% aujourd'hui, l'impression c'est vraiment le papier photo où après il faut trouver un cadre pour l'accrocher et l'aluminium et le plexiglas qui eux sont des matières justement non renouvelables, transformées, etc. Donc c'est vraiment partie de ça, ça nous allait pas en fait. Ok, ça vous allait pas d'un point de vue plutôt écologique j'ai l'impression en fait, hein, c'est ça hein. Ouais, c'est vraiment d'un point de vue durable et ça allait pas. Encore une fois, Arthur fait plus attention que moi au quotidien. Je dis ça dans le sens où lui mange plus de viande par exemple, enfin fait vraiment, et c'est vraiment pour ces convictions là c'est un exemple parmi d'autres hein. Moi j'en suis pas encore arrivé à ce niveau là même si on est aussi dans un monde en 2021 où ça nous touche tous, où on fait tous attention et où on voulait aussi le retranscrire en fait dans notre quotidien et en fait mettre un peu notre pierre à l'édifice, j'ai envie de dire. Sur ces sujets-là et donner du sens à notre entreprise. Ok, donc vous vous rendez compte, et plus Arthur que toi, mais toi, t'es allé dans la brèche, en tout cas, t'as pris le train en route, ça plaisait beaucoup. Vous avez entendu compte que l'existant n'était pas viable pour vous écologiquement, même économiquement et je vais même dire sociétalement, parce que c'est pas des valeurs qui vous correspondaient. Mais entre le moment où vous vous rendez compte de ça et ce qu'il faut faire pour combler ça, y a un gap quoi. Donc là, vous faites de l'impression sur bois, mais est-ce que l'idée elle vient d'un coup et vous dites de toute façon 95% des choses se font sur alu, dibon, plexi et puis papier, donc c'est pas ouf. Nous, on veut faire autre chose. Est-ce que le bois vient tout de suite ou c'est le fruit vraiment d'une vraie réflexion? C'est le fruit d'une réflexion. En fait, on quand on quitte nos jobs en septembre 2019, donc à peu près, on lance un crowdfunding justement en octobre. Et sur le départ, et c'est pour ça, d'où les petits aviateurs, encore une fois, on fait que de la photo de drone. On a créé une communauté d'une dizaine de photographes. On imprime sur de l'aluminium dibon. On imprime sur une taille. Donc c'est on appelait ça à l'époque le tableau idéal. Donc c'était une taille, une finition, un prix, et les personnes en fait, on avait une quinzaine de photographes par drone où on mettait une photo par photographe par mois sur le site internet, et c'était des photos qui étaient en vente pendant un mois. À la fin du mois, c'était tout, elles seraient plus jamais en vente. Donc on a commencé comme ça sur du dibon en octobre 2019, et tout en se disant on lance comme ça. Alors on avait déjà tous ces aspects de pas de stock, donc on produisait que ce qu'on avait justement vendu, et tout en se disant mais il faut qu'on trouve autre chose,
Lançons comme ça, mais faut qu'on développe quelque chose à côté. C'est intéressant, Et... vous avez lancé de façon déjà comme ça, alors que ce n'était pas forcément pour vous la meilleure solution, mais vous l'avez fait quand même, quoi. Et après, vous avez Mmh. amélioré au fur et à mesure. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, je reviens sur le côté entrepreneurial, mais ça, c'est génial, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, vous n'avez pas attendu que ce soit hyper, hyper prêt. De toute façon, on n'est jamais prêt, hein, quoi qu'il arrive, Mmh. mais vous l'avez Ouais. quand même fait. Ah, ça, c'est clair, c'est une notion fondamentale. On n'est jamais prêt et vaut mieux lancer, peut-être se casser la gueule, mais surtout tester le marché, échanger avec nos clients. Nous, on a été très rapidement donc en contact avec des photographes. On en avait une quinzaine, donc on comprenait, on commençait à comprendre leur manière de vivre, leur manière de se rémunérer, comment ils voyaient la photo, comment ils voyaient l'impression photo. Et ça a été hyper important pour notre développement futur. Et après, on a aussi testé ce marché de l'impression et ça nous permettait mais de connaître le marché de l'impression, ça nous permettait de savoir comment on imprimait, ça nous a permis à développer notre support en bois Bien aujourd'hui sûr. Alors qu'on a. comment il émerge ce support en bois là? Comment l'histoire commence à prendre là-dessus? En fait, ça s'est passé, donc on lance en octobre, le crowdfunding marche bien. Alors il y avait beaucoup de love money, il y avait c'était beaucoup de gens autour de nous qui nous connaissaient, qui avaient justement mis, enfin qui nous avaient aidés. Donc ça marche bien, mais on n'est pas pleinement satisfait. Et puis on a vraiment ce côté durable qu'on veut résoudre, etc. Et en fait, dès janvier, on se dit bon donc janvier 2020, hein, l'année dernière. On se dit, il faut qu'on trouve un support à nous, il faut qu'on développe un support à nous. Très vite est venu le bois. L'idée du bois est venue très vite parce que, pour finir, on est vraiment sur une matière vivante qui se renouvelle. Je vais venir plus dans les détails par rapport à ça, mais le bois, c'est arrivé très vite. Après, on s'est dit. Ben voilà, après, nous, on était vraiment par rapport à nos convictions, c'était de trouver du bois qui était le plus proche de chez nous, au moins en France. Au moins en France. Et de ce fait, il y a beaucoup de bois qu'on enlève déjà par rapport à tout ce qui se fait, Parce mais il y que a énormément. j'allais dire Bordeaux, les Landes, la plus grande forêt d'Europe, c'est pas le bois qui manque, mais est-ce que ce bois-là, il convient, quoi? Le bois, c'est quoi? C'est du Exactement. On pain, c'est du pain en a essayé fait, sur hein. du pain. On a essayé sur du pain. Le rendu n'était pas bon. N'était pas assez bon pour nous en tout cas, mais on a testé sur du pain, entre autres. On a testé sur du bouleau, mais on s'est rendu compte après coup que ça venait que d'Europe de l'Est pour la plupart et donc ça ne nous allait pas. Et on s'est arrêté sur le peuplier, parce que dans le sud-ouest il y a aussi pas beaucoup de peupliers. C'est du bois qui vient à moins de 300 km de chez nous. C'est du peuplier qui est issu de forêts cogérées, donc là il y a des labels FSC, PEFC. Donc c'est des labels en gros, en deux mots, on a fait d'ailleurs un article sur notre blog plus en détail là-dessus, mais qui explique que c'est des forêts qui sont gérées durablement et qui ne font que grandir. Ok. Donc ça, c'était quelque chose d'hyper important pour nous. Et donc aujourd'hui, on s'est arrêté aussi sur le peuplier parce que c'est un bois qui est aussi très clair. Et donc pour la colorimétrie, c'est hyper important. C'est ce que j'allais demander en fait. Alors moi, c'est vrai que j'imagine, c'est vrai que le papier, alors, bon, il est plus ou moins blanc. Il y a le papier un peu crème, un peu blanc cassé, machin, mais on va dire que c'est blanc. Donc c'est vrai que c'est neutre finalement par rapport au rendu colorimétrique. Et le bois, ben, on n'est plus blanc, on est dans du marron plus ou moins foncé, tu vois. Ça dépend des essences de bois, mais quand même plutôt comme ça. Comment ça va pas impacter justement le rendu? Tu parlais tout à l'heure que le pain ne convenait pas. Pour le rendu, c'est quoi qui convenait pas finalement par rapport à vos exigences? Le pain, c'était vraiment sur le côté le bois, enfin la précision d'impression. C'était vraiment tourner précision d'impression où en fait l'impression ça buvait trop. Enfin Ouais. le rendu n'était vraiment pas net, pas clean C'est vraiment et donc la structure du bois en fait en la elle-même qui structure du n'allait bois en pas quoi. elle-même, Ok. ouais, qui ne convenait pas. Et ensuite, on s'est tourné vers le peuplier et on a surtout trouvé en fait. Un partenaire qui est aujourd'hui un vrai partenaire avec qui on a développé toute cette technique d'impression qui nous permet justement d'avoir ce rendu et cette colorimétrie qui va rester celle que j'aime pas dire qu'on va voir à l'écran parce que Ouais. ça, dans la photographie et dans l'impression, de toute façon, il y aura toujours un débat sur ça. C'est que, et on l'a très peu,
On l'a très peu parce qu'on maintenant on arrive à l'expliquer, mais on peut l'avoir encore parfois, bah, des personnes qui sont pas totalement satisfaites de la colorimétrie, et c'est aussi normal. Mais en fait, chacun a son ordinateur, chacun met sa luminosité comme il le souhaite, Les éclairages chacun. extérieurs, à son la fenêtre à gauche ou à droite, l'éclairage du lampadaire, j'allais dire, en tout cas du plafonnier, par exemple, c'est très différent finalement. Ouais. Bah ouais, pour le coup, quand c'est pas de la lumière naturelle, Ouais. regarder, avoir son tableau, le recevoir chez soi et allumer sa lumière pour regarder, Déjà, c'est pas pareil. ça non, parce qu'il suffit d'avoir une lumière un peu jaune, bah en fait les blancs ils vont sortir jaunes. Donc ça c'est vraiment un sujet. Et nous c'est, ben, quand je dis, on a développé de janvier à septembre dernier ce support. On a clairement travaillé la plupart du temps sur cette précision, sur cette colorimétrie et sur ce rendu d'impression qui aujourd'hui, on est, enfin, je pense qu'on est les seuls à réussir à avoir réussi à avoir ce rendu en fait qui est nickel, Ouais. qui ça rejoint un peu le rendu un peu Dibon. Donc c'est mat, c'est ce qu'on voulait, parce qu'on voulait du mat pour qu'on puisse accrocher la photo et le tableau partout chez soi, et pas, enfin, si c'est devant une vitre, qu'il n'y ait pas justement un effet miroir ou autre qui sort. Et ça a été vraiment notre plus gros des travaux, et on a pu le faire aussi parce que on était en contact avec des photographes. Donc on faisait des tests, on voyait des photographes professionnels, et c'est grâce à eux aussi qu'on l'a développé, Donc, ce support. c'est vrai que tu l'as dit sans le dire, mais il y a le côté humain qui revient avec le partenaire, hein, votre partenaire sur le fournisseur de bois, mais aussi les photographes qui sont vraiment un travail d'équipe, encore une fois, on s'en rend compte. Alors, au-delà, voilà, de l'aspect écologique, hein, éco-responsable de l'impression sur bois, mais quel est l'avantage? Là, je parle vraiment en tant que photographe, tu vois, finalement. Tu peux me donner un avantage. Alors, c'est pas forcément pour. Voilà, on a bien compris l'aspect écologique qui était quand même plutôt supérieur et à l'avantage du bois, mais vraiment sur le côté purement photographique, est-ce qu'il y a aussi un avantage à avoir sa photographie sur bois? J'en ai jamais eu entre les mains, mais je sais pas, il y a un côté waouh, il y a un côté rare peut-être, un côté plus luxe. C'est quoi? De quoi vous êtes plus fier finalement sur cette impression sur bois? Nous, l'idée qui a été prépondérante aussi dans ce développement-là, c'est d'avoir un produit prêt à être accroché, où il n'y a pas besoin de rajouter de cadre, où en fait on le reçoit chez soi, on a juste à planter son clou et c'est parti. Ça nous est tous arrivé d'acheter une photo, Sur de toile. devoir trouver un cadre Ouais. C'est qu'on le cas. cherche et qu'on trouve J'en trois ai mois une. après. J'en ai une, ça fait quoi, 6 mois qu'elle est là, qu'elle est enroulée, et ça me frustre parce que c'est pas ma photographie en plus, hein, donc je l'ai achetée. J'ai reçu, le papier est magnifique et tout, mais c'est vrai qu'il faut que j'aille dans un magasin, que je trouve le cadre, qu'elle C'est supporte ça. tout ça, et ben du coup, je procrastine, et elle est là, elle est enroulée, elle n'est pas affichée, et c'est super, super dommage, quoi. Donc ouais, c'est exactement ça. On est vraiment parti de ce postulat parce que ça nous est arrivé à tous les deux, Arthur comme moi. Et donc nous, ça a été vraiment ça, un vrai point de départ aussi, c'était de se dire, bah, nous, on veut un produit qui soit prêt à être accroché. Donc c'est pour ça que nous, on façonne l'encoche directement dans le bois. L'idée, c'est vraiment d'avoir une encoche à même le bois, de pas ajouter de matière ou autre pour pouvoir l'accrocher. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et en fait, le vrai plus aussi, c'est que ça fait vraiment produit de déco fini, en fait. On vient imprimer la photo, mais pas sur toute la surface du bois. Donc par exemple là, par exemple sur un 20-30, parce qu'on a quatre tailles, du 20-30 au 60 par 90, à chaque fois il y a un encadrement naturel, puisqu'en fait on n'imprime pas sur tout Ok. le support, pour que quand il soit accroché, il y ait quand même la mise en avant du bois. D'accord. Donc là, Donc il y on a la retrouve la tranche, couleur, c'est la couleur naturelle du peuplier, là, pour le coup. c'est la couleur naturelle du peuplier. C'est vraiment un encadrement bois, et il y a aussi la tranche qu'on trouve super belle. Mais ça, c'est un vrai avantage, dans le sens où c'est un produit fini, prêt à être accroché. Ça, c'est hyper important. Une autre chose qu'on trouve super cool, c'est qu'on est sur du bois, et que le bois, c'est comme l'humain, j'ai envie de dire. On est tous différents, on a tous nos empreintes, on a tous nos veines, on a tous nos poils partout. Et Ouais. le bois, ben, il a aussi, en fait, c'est les veines du bois qui peuvent être différentes d'un produit à l'autre. Au verso, on peut avoir des nœuds, donc les nœuds du bois qui peuvent être apparents. Et ça, pareil, c'est un parti pris. Il n'y en aura jamais à l'avant, parce que bien sûr, la photographie, il faut qu'elle soit nickel, mais à l'arrière. Et donc, ce qui fait que pour finir, ben, c'est un produit qui est unique, et chaque Ouais. produit est unique. Et c'est pour ça qu'on met cette petite phrase en dessous: votre tableau en bois est façonné à la main à Bordeaux avec amour, et il est unique comme vous.
C'est ça. Non, mais c'est vrai. Et en ça, on plus, le met. Factuellement, c'est vrai. Alors, c'est vrai que, quelque part, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais c'est vrai qu'on retrouve ce que tu as décrit là par rapport au bois. On retrouve peut-être dans le papier également. Il y a quand même il y a des choses un peu, voilà, Ouais. C'est du papier recyclé, pourquoi pas, hein, Complètement. et peut-être pur, j'allais dire, brut. On peut trouver aussi des choses comme ça, des caractéristiques uniques dans chaque qu'un des papiers qu'on peut avoir, mais par contre on l'aura pas dans l'alu ni dans le Le PVC ou le plexiglas. plexi, parce que là clairement c'est du produit hyper industrialisé, et là au contraire ce qu'on veut c'est une espèce d'unicité finalement, qui peut avoir peut-être des avantages, mais en tout cas pour nous photographes, on aime bien avoir quelque chose de plus naturel, de plus vivant et de plus unique, ouais. Je voulais te demander par rapport à l'encadrement, tu vois, c'est une vraie question à la limite, moi j'ai jamais trop par rapport à ça, mais quand on fait imprimer une photographie pour le coup sur papier, on peut justement choisir son encadrement. Ça peut être aussi une force, tu vois, de choisir son cadre, de le mettre d'une couleur qui va peut-être rehausser une des couleurs de la photographie, qui va venir appuyer, tu vois, une thématique de couleur ou une ambiance, par exemple. Pour le coup, c'est pas possible avec l'impression sur bois, parce que votre cadre il est déjà fait. Ça, alors, à la limite, j'ai pas vraiment de question par rapport à ça derrière, mais est-ce que pour toi c'est un problème, ça, justement, de ne pas pouvoir le proposer? Alors oui, ça pourrait le devenir. Après, nous, l'idée, ça va être justement aussi de se développer sur potentiellement d'autres essences de bois. Ah Essayer oui. de maintenant qu'on bah, plus on avance en fait, plus on acquiert aussi la technique, plus on comprend comment ça fonctionne, et plus demain on pourrait aller sur un bois qui serait peut-être plus foncé. Alors faudrait qu'on réussisse encore une fois à garder cette colorimétrie. Donc il y aura un travail derrière de développement, mais qui nous plaît, hein, parce que le travail de développement, enfin, c'est aussi hyper chouette. Et Et donc pourquoi pas ça peut-être, pourrait venir. tu vas proposer, à la limite, bon, ça demande justement de l'hyper-personnalisation, ce qui coûte plus cher aussi, ce qui demande du travail, de la logistique supplémentaire, donc c'est pour le coup un défi entrepreneurial et logistique, mais peut-être de proposer justement de pouvoir peindre juste le bord, tu vois, de manière à pouvoir, si moi je veux pouvoir rehausser, voilà, un petit ton de la couleur de ma photographie, hein, il y a peut-être les yeux verts d'un animal que je photographie, ben j'aimerais bien que le tour soit vert, ça va venir appuyer ce vert des yeux, tu vois. Pourquoi pas, Voilà, complètement. mais. Après ça, on peut le faire aussi d'une manière numérique, dans le sens où avant d'imprimer la photo, on peut ajouter justement cet encadrement vert, et ça peut être imprimé avec un encadrement vert justement autour. Donc ça pourrait se faire. Et puis c'est vrai que tu parlais justement d'animaux, et c'est vrai que ça, c'est là où ça prend aussi tout son sens, et c'est en ça qu'on se rend compte que les photographes sont beaucoup aussi dans la nature. Se rendre compte, on quand même beaucoup ces convictions de durabilité, etc. Et c'est vrai que d'imprimer de la faune, de la flore sur du bois, Ouais. ça fait complètement sens aussi. Ça a du sens, ouais, ça a du sens, et on Et peut même presque ça. dire que la boucle est bouclée aussi, hein, finalement, que l'animal se retrouve dans son état naturel. Alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il y a quand même une espèce de symbolique ici qui prend de la valeur. Donc sur votre site, c'est donc les petits aviateurs, alors les petits aviateurs toutattachés.fr, qui est d'ailleurs entre parenthèses magnifique, je trouve très simple, très beau. Il y a une Merci. voilà, je trouve les polices d'écriture sont, bah, comment dire, sont très lisibles, mais en même temps originales. Il y a des vrais partis pris artistiques, je trouve, dans votre site, qui est vraiment très chouette. Je le dis pas parce que tu es là, mais parce que je le pense sincèrement. On félicitera Arthur. Bah, voilà, parce que C'est c'est lui Arthur qui est qui s'en derrière tout ça, occupe. ben ouais, bah, franchement, il y a vraiment du taf derrière, et je sais de quoi je parle. Alors, d'après ce que j'ai compris sur votre site, on peut commander des photographies d'artistes, des peintres aussi, il n'y a pas que des photographes, mais voilà, artistes, photographes, peintres, photographes, donc des photographies déjà proposées. Donc c'est pas nous qui sommes les photographes, mais on veut décorer son intérieur avec une photographie de quelqu'un d'autre sur ce magnifique support qui est le bois. Mais est-ce que je peux, moi, si j'ai une photographie qui me plaît, est-ce que je peux, moi, vous demander de l'imprimer sur du bois, donc, alors pour moi, ou pour un cadeau, ou pour quelqu'un d'autre, à la limite, peu importe, ou voire même pour une exposition. Je vais faire une exposition de 10, 15 photos. Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire? Complètement. Complètement. En fait, nous, aujourd'hui, on a quatre typologies de clients. La première typologie de clients, c'est les photographes et justement les illustrateurs. Les photographes et les illustrateurs qui vendent leurs photos et leurs illustrations sur leur site internet nous envoient leurs photos, enfin leurs ventes,
Nous, on s'occupe de façonner le bois, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est Arthur et moi-même qui façonnons le bois. L'encoche, c'est nous qui la faisons. Enfin, c'est vraiment fait à la main. Et c'était aussi l'idée de ne pas être derrière notre ordinateur tout le temps et de pouvoir justement travailler le bois, parce que enfin, c'est ce qu'on aime aussi. Et donc, on façonne le bois, on va imprimer à Bordeaux, on envoie jusqu'à leurs clients finaux. Donc ça, c'est possible en tant que photographe professionnel Ok. de, on a cette prestation justement par rapport à ça. Demain, un photographe veut faire une exposition, il a 15 photos, ben là, demain, on a une production justement et on a 20 photos de deux photographes qui vont faire une exposition enfin, près de Bordeaux justement. Ok. Ça peut se faire. Et en fait, on peut, nous, au Verso, puisqu'en fait, quand les personnes nous envoient leur vente, ils nous envoient leurs photos, le fichier ben, type de vente. Et le verso, parce que ce qu'on propose aussi, c'est de, on envoie aux personnes des versos en PDF de toutes les tailles, paysage, portrait, et eux, quand ils nous envoient leurs photos, ils mettent le même nom pour le verso, et comme ça, on imprime et recto et verso. Alors, c'est une couleur justement qui est un peu brune, Ouais, parce qu'on voulait retrouver, en fait, évidemment à la là base, tu on me voulait montres, graver. ouais, c'est pas très audio compatible, mais tu me Ouais. montres en fait l'image qu'on se voit en vidéo hein, pour l'interview, mais tu me montres ce qui est écrit derrière, Bah, effectivement, ouais, c'est un peu comme si c'était une espèce de pyrogravure très fine, bien sûr, type laser, mais ça rend très ça très part de bien, ouais. là. Ouais. Ça part de là, en fait, bah, faudrait aller voir justement sur le site internet, mais ça part de là. À la base, on voulait graver, mais sauf que ça coûte beaucoup trop cher. Mais on a voulu garder ce côté justement gravure, enfin cette couleur. Et donc aujourd'hui, on imprime directement au dos, et donc on peut imprimer des certificats d'authenticité, des numérotations, et c'est imprimé dessus. Donc en fait, c'est inviolable. C'est pas comme un papier qu'on va coller derrière, qui peut être décollé, etc. Donc il y a ce côté-là, et c'est notre première typologie de clients. Ensuite, la deuxième typologie de clients, ce sont les particuliers qui peuvent venir sur le site, ils peuvent imprimer leurs photos de vacances, de famille, là ça va être la fête des pères, de leur papa, en mettant aussi un mot personnalisé au dos, qui va être aussi imprimé, ça permet d'offrir un cadeau, qui sera tout le temps là, qui est nouveau, et avec un petit mot derrière, enfin, ça marche super bien aussi. Ou s'ils n'ont pas de photos à imprimer, on a aussi notre collection aujourd'hui en interne, avec des illustrations d'Arthur, mon associé, et des photos de Justine, ma conjointe. Mais ça, on est en train d'ouvrir justement à des photographes aussi qui souhaiteraient, bah justement, parce que nous, on aimerait avoir une profondeur de catalogue plus grande et avoir, enfin voilà, des artistes qui rentrent dans la danse aussi par rapport à ça. Mais donc ça, c'est la deuxième typologie de clients, c'est vraiment les particuliers. Ensuite, on a les boutiques. Donc on va Ah oui. vendre en boutique. Ouais, des On va boutiques vendre qui vont physique. acheter pour le coup, ouais, physique, et voilà, qui ont pignon sur Ouais. rue, qui veulent décorer leurs locaux. Alors, décorer leurs locaux ou vendre nos tableaux. Ah, ok. Ça peut être aussi de l'achat-revente. En fait, l'idée des boutiques, on a créé un nouveau support. Je pense que là, toutes les personnes qui nous écoutent, aimeraient bien voir le support, voir le rendu, toucher le support, enfin vraiment se rendre compte de ça. Et on a aussi ce gros travail de démocratisation entre guillemets de ce nouveau support, et donc ça passe aussi par les boutiques. Donc l'idée vraiment c'est de bah voilà d'avoir une expansion par rapport à ça. Et enfin la quatrième pardon typologie de clients, ça va être les entreprises en effet qui veulent refaire leur décoration. Ça peut être de l'hôtellerie éco-conçue, ça peut être des festivals photo, justement photo nature. Moi j'ai contacté pas mal de festivals justement photo nature. Bon, cette quatrième catégorie, les entreprises, c'est tellement large parce que tout le monde peut avoir de la déco. Donc nous, il faut qu'on arrive à se recentrer et aller encore une fois là où ça fait sens pour nous, et où on va pouvoir aussi rendre viable à un moment donné notre entreprise, pour pouvoir en vivre et continuer à proposer ce support à tout Bah écoute, ça fait très envie. Ça fait très très envie en même temps le que tu décrivais ça de manière, voilà, très passionnée. Je regardais quand même aussi votre site et vraiment les photographies qui sont dessus sont très jolies et le rendu vraiment a l'air sublime et est sublime parce que finalement aussi on voit aussi les commentaires de ceux qui ont passé commande chez vous et ça donne très très envie de toucher ça. Il y a à côté, j'ai presque envie de dire, tu vois, bon du coup voilà, je parle de votre produit en bien, mais parce que je trouve votre aventure entrepreneuriale est géniale. Et puis voilà, le fait de faire ça avec la photographie, c'est top aussi. Mais il y a un côté, tu sais, le livre papier, bah tu le prends. Moi, je sais pas comment si tu le fais, mais moi, je sais pas pourquoi. Quand je prends un livre papier, je le sens. Je sais pas pourquoi, c'est un réflexe. Mais j'ouvre et je sens. J'adore l'odeur du livre et bon, toucher aussi, bien sûr, ce contact du papier qui est inimitable. Et ben, tu l'as évidemment pas avec des liseuses.
Et aussi pratique que ce soit, tu peux en mettre des milliers si tu veux, tu peux partir à l'autre bout du monde, tu as toute ta bibliothèque de livres, mais ça reste que du papier, pardon, que du plastique et que du numérique, bien sûr. Donc y a, c'est pratique, mais il n'y a pas de charme. Ben, c'est exactement pareil, finalement, entre la différence entre l'alu, le plexi, c'est pratique, hein, c'est vrai, c'est pratique, c'est plutôt solide, mais ça n'a pas de charme en tant que tel, alors que le bois, tu as envie de le prendre, tu veux le sentir. Moi, je veux passer commande chez vous et j'ai envie. Je pense que la première chose que je ferais, presque même avant même de le regarder, c'est de le sentir, tu vois. De sentir ce bois du peuplier, d'avoir l'odeur, l'essence, en fait. Évidemment, après le toucher aussi, ça compte beaucoup. Mais ça, c'est génial, quoi. Merci infiniment, vraiment, Maxence. Mais merci pour à tout toi. Ça. Et ouais, merci à toi pour ton invitation. Et je voulais aussi. Dire une dernière chose parce qu'on en est quand même assez fiers, c'est que on a été aussi validé par l'un des plus grands photographes français qui est Yann Arthus Bertrand, avec qui j'ai eu un rendez-vous, on a montré notre support, etc. Et aujourd'hui il va vendre aussi des photos à lui sur notre support dans sa fondation Good Planet. Et c'est vrai que ça fait super plaisir, et ça rejoint un peu l'entrepreneuriat, de se dire c'est pas facile tous les jours, mais on a des petites victoires et des grosses victoires. Ça, c'est une grosse. Et c'est pour ça que voilà, je voulais aussi te le dire, parce que c'est vrai que quand on s'était eu au téléphone il y a pas si longtemps que ça, on l'avait pas encore, et aujourd'hui on est assez fiers de ça, et voilà, je voulais ajouter cela, et je suis complètement d'accord aussi avec toi sur le côté livre papier. Ça, moi, je garde tous mes livres et j'ai pas de liseuse comme toi, et j'adore aussi ce côté touché. Donc ouais, n'hésite pas à commander. De toute façon, on en reparle derrière. Et merci en tout cas de m'avoir invité sur ce podcast, parce que c'était super intéressant de discuter avec toi. Merci infiniment, et longue vie au petit déviateur, Maxence. Merci, Régis.